Nous allons procéder à la cérémonie de clôture de ce top 12. Nous allons commencer par les normes qui ont été faites. Monsieur Gérard Hernandez, arbitre principal. Merci, monsieur. Alors, deux normes ont été faites cette année. En particulier, la première norme de grand maître international, faite par M. Paul Velten, que j'appelle... Pardon ? De quel club ? Je dois le dire ou pas ? Monsieur le Président, il est de quel club ? Si je me trompe pas, ça va être un peu dans la Champagne-Ardenne, je crois. C'est quelque chose comme Châlons-Champagne, le territoire du Champagne. Et nous, on a la chance d'avoir un vin qui pétille. Donc de l'échiquier chalonnais. Donc alors, attention, cette norme, elle est quand même particulière. Paul, elle a été faite en jouant que avec les Noirs. Donc c'est exceptionnel. Dans du minier, s'il vous plaît. Où est-il ? Voilà. Alors, elle a été faite par Sébastien Tranchant, norme de maître international. Première norme de maître international. Voilà. Oui, bien, Sébastien Tranchant, c'est un formateur, notamment le formateur de Inès Le Riche, qui vient d'être... sélectionné en équipe féminine pour représenter les championnats du monde en Mongolie. Et Inès est ici et elle a été troisième au championnat de France minime. Voilà. Donc Sébastien, c'est son entraîneur. Bravo Sébastien.